Bonjour tout le monde, bienvenue dans News Aid. En fait, nous venons parler de haïtiano-japonaise Naomi Osaka. En fait, nous connaissons US Open, toute la presse a parlé de lui et ils l'ont mené en Haïti. Encore, c'est un honneur. Justement, pendant ce temps que nous connaissons Haïti tête en bas, eh bien, nous pensons que l'a fait un bon travail et il a une véritable différence. On explique bien. Naomi Osaka, c'est une Moun qui te voulait attirer attention sous violence qu'a fait sous noyau, le fait qu'il a tué. D'abord, il était décidé de camper dans le match en signe de protestation. En plus, l'autre suivi lui. Ensuite, et pour ensemble de matchs, il était choisi à chaque match, mettez justement non, un noir qui a tué Trayvon Martin. Nous même pas bon ici nous changer histoire ça. Et ça qui pille présent, c'est Joy Floyd. Que lui jouait avec lui dans le quart de finale là. Et lui dit qu'il gagne 7 masques. 7 masques. 7 masques pour 7 matchs. Est-ce que l'a fait 7 matchs là? Comprenez bien, pas grand-chose qui garantit qu'il est obligé à la finale. Mais jusqu'à présent, lui en bataille. N'a pas rappelé que lui classé pour semi-finale. Ça veut dire demain, si il devait gagner pour semi-finale, et que ça va faire le 6e masque là, et puis l'a prêté dernier match là. Mais il y a un monde qui est en bataille, ça, tout qu'on ne peut pas ignorer. C'est Serena Williams. Serena Williams, en d'autres termes, en clair, en termes de palmarès, Serena Williams gagne plus palmarès que Naomi Osaka. Mais Naomi Osaka, c'est une véritable résistance, c'est une révélation. Depuis 2018, il paraît souterrain, il est infatigable, il bataille, il représente. Et à chaque fois, justement, il est toujours rappelé, mon que il sortit en Haïti. Nous rappelons que Naomi Osaka, notamment, fait plusieurs visites en Haïti. Le plus souvent, elle allait à Jacmel, bien entendu. Maintenant, à un moment là, nous sommes d'accord qu'il n'est pas qu'à rentrer en Haïti, puisque nous connaissons Haïti, tête chargée. Mais nevertheless, il n'est pas jamais caché, originé. Et chaque fois qu'on a posé la question, oublié, dit, parti haïtien, il dit, rappelez-vous que il représentait haïtien et tout. Et nous pensons que c'est un véritable challenge, ça l'a fait là. Parce que quelque part, ici en noir, il représentait une communauté défavorisée et il est entré dans la bataille. Dans la bataille, côté qu'il y a 7 masques pour 7 matchs. Question, nous pensons que. La victoire de Naomi Osaka, c'est justement c'est un message très fort quelque part. Mais il y a une chose qui est émouvante à cause de Naomi Osaka, c'est que plusieurs familles qui sont victimes, en parlant de maman Trayvon Martin, et ils ont tous un message de remerciement Bali, et puis ils ont dit continuer la bataille là, puisque ils ont senti que justement, lui a parlé pour eux, l'a exprimé pour eux, ils ont un message. Ça qui t'a fait, l'autre est presque sorti dans le jeu, Naomi Osaka. Lorsque mon yote voye remercier li, et que li même li dit que li senti moun sa yo assez courageux malgré difficulté au Kembe, et que li même li sa souhaite que tout simplement travail sa que la fè a, puisque en tant que un sportif qui très connu, je ne veux dire à fond dit Naomi Osaka, by the way, en matière d'argent, pas gagné et you non kap tche pis kop passe. Si le vrai que c'est Serena Williams en matière de score, de palmarès. Mais en matière d'argent, dans ce moment-là, parce que pas oublier que l'IT paraît dans la finale, lui a soupé back-to-back. Back-to-back, il vient dans la finale. Et Jean le parti pour aller dans la finale encore. Donc, il y a le respect. Donc, ça veut dire, parlant de Serena Williams, il faut dire que Serena Williams qui vient là tout. C'est pas moi, pas oublier que l'IT gagne pour aller pour la jouer semi-finale par le tout. Et Serena Williams, il a un véritable défi. Il est bien levé là. Pas oublier que dans l'histoire et tennis, moun ki gen record là c'est un certain Margaret Smith qui gen on a fait de 24 grand slam dans women single là pas gen jambe gen moun ki accepte li et nous voulons rappeler que Serena Williams gen 23 on ka comprendre ça veut dire donc plusieurs fois là des 24 là on les fois Serena Williams te bat li pas perdu espoir donc li bat en d'autres termes Serena Williams bat presque tout record c'est le record là c'est ça nous les 24 grand slam là. Donc, il est sous 23. Donc, il y a une bataille pour le faire. De toute façon, vous dites qui ça? Et c'est vrai qu'on parle dans la demi-finale. D'abord, pas de garantie, vous supposez aller en la finale. Et si vous frappez dans la finale, et ça ne veut pas dire que le match sera facile pour Naomi Osaka. Pas de rien. D'ailleurs, même semi-finale là, pas de rien qui gagne d'avance. Mais quelque part, c'est un haïtien ou japonaise qui est en bataille. S'il est vrai que nous autres, nous apprécions Serena Williams pour dévouement lié autre. Mais nous autres, nous pensons que Naomi Osaka a montré qu'elle est plus présente. Parce que Naomi Osaka a montré qu'elle est plus que ça n'a pas une tennis player.
c'est un sportif engagé. Et c'est ça qui fait toute différence li. Et puis Naomi Osaka tout c'est il gagne une modestie exemplaire parce que non quand de finale il va jouer avec Roger, il dit il déclarait malgré tout palmarès, il dit quelque part on dit il y a un monde qui peut être dans le Super Bowl deux fois, il était prêt d'ailleurs, il était numéro 1 déjà. Et il dit que il pensait que lui c'est underdog. Il va jouer avec un joueur qui part bien classé, il dit il pensait jouer ça à battre lui. Parce que jouer à battre plusieurs fois, c'est peut-être simplicité le modestie lui et même lorsque le gagne, nous appelé gagne parfois le gagne, lui fait monde qui perdit à venir parler. Même elle bat, en fait, première fois elle bat Serena Williams, où elle dit il sort, il fait que le bat. Vous comprenez? So, c'est vraiment quelqu'un de modestie exemplaire. Et nous t'a souhaité quelque part cette masque. Parce que il bat à lui, il a plusieurs sens. Le fait qu'ils sont sportifs, il est engagé, il a cette masque, c'est qu'il a deux batailles à faire. La bataille, justement, pour assurer place, pour dire que il est capable, number one. Mais la bataille, tout, il y a une cause dans la bataille. C'est ça qui fait il y a un pile monde justement qui est elle parce que dans Naomi Osaka yo en fait il y a deux batailles qui gagne là pour nous comprendre gagne deux batailles gagne sportif là que tout le monde aimait personnellement communauté haïtienne moi personnellement quand même que on tape toujours marcher derrière elle même lorsque il pas entrer dans bataille ça donc le fait que l'entre dans bataille là il y a une victoire de Naomi Osaka il gagne une bonne importance non seulement que c'est haïtien sont haïtiennes ou japonaises, mais une victoire tout quelque part symboliquement nous capable dire c'est une victoire pour un activiste cap défend nous bien que l'autre artiste dans une certaine mesure te supporte mouvement mais lui c'est lui-même qui plus pour te que l'engager. Donc nous autres nous dit que Napco et Naomi Osaka jusqu'à la fin demain si Dieu veut la gagner pour la faire semi-finale là nous autres nous t'a souhaité que l'avancer et nous t'a souhaité malheureusement que champion ça cap une déception pour Serena Williams qui bien entendu jeune de là record là dans toute histoire bah, et championnat ça c'est Margaret qui est là avec 24 Serena gagne 23 li espérer faire 24 là tout donc nous autres nous derrière Naomi Osaka ça va veut dire que ça va veut dire que Lika et ça va veut dire que Lika li pas perdre non mais n'a courir puisque la caille pour la caille justement n'a marché avec chaque fois qu'il gagne les haïtiens cap faire effort nous pensons que pays a tellement à déconstruire pas grand-rien si gagne deux trois acteurs d'ailleurs justement qui a fait bon travail nous sentons content c'est même gentil nous fait que ça t'apprendre là que Bello tout le monde connaît Bello artiste Bello qui justement sorti champion dans championnat là nous pensons c'est bravo Bello qui chante musique nous veut la coup tranquille mais il dit monsieur fait que champion dans et dans un concours international qui te gagne plusieurs milliers d'artistes là-dedans monsieur arrivé pour tes premiers prix. Nous tellement et pas joindre ça souvent c'est déception. Donc là pour une nouvelle grand artiste justement cap porter puis cap faire bon bagaille et cap avancer et que li gagne et li porter Haïti à sous donc et sous doli. Donc nous pensons que c'est à féliciter, c'est à partager, c'est une fierté, ça qui explique contentement nous. Là nous a partagé moment ça, là n'a parlé de Haïti en fait du monde qui gagne origine Haïti, là n'a parlé de positif parce que c'est pas souvent justement pour une bonne nouvelle de Haïti. C'est pas souvent pour nous parler de pays nous en bien nous connaissons c'est toute bagarre tout est en bas donc nous t'a souhaité que Naomi Osaka pique pour devant champion et nous féliciter Bello l'autre fois encore un artiste que nous aimons en pile qui fait ce champion là mais pendant ce temps Bello ce champion et combien nous pensons que si Bello font bon programme on pense la foule avec en pile monde même j'ai avec nèg ti sourit yo même j'ai avec nèg nek kap bay rap yo est-ce que vous pensez que Bello a facile jeune tout moun sa yo donc voilà et mais de toute façon parce que moun ki pou valoriser yo a comprendre yo by the way nous voulons rappeler à tout moun nan nous ay di nous modifier live nou désormais n'a choisi live pour deux jours avant n'a live avec vous le jeudi et le dimanche de manière exclusive non sorry donc et rendez-vous live nous n'a rappeler pour tout moun c'est jeudi et dimanche nous obligé réduire de manière considérable. Donc, nous allons prendre encore de manière exclusive. Live, nous, dans News Daily, c'est deux jours. Nous sommes présents avec vous le jeudi et le dimanche. Côté Coop Carwe, nous sommes capables de poser nos questions. C'est comme ça qu'on modifie la vie. Donc, rendez-vous sur News Daily chaque jeudi et chaque dimanche.
Non, live côté que nous parler d'actualité, côté que nous rencontrer avec vous tout capable poser nous des questions à compter de 10h30, 10h40, jeudi et dimanche. Donc sous base ça, nous la guerre, pas oublier toujours être connecté. Toutes dernières informations nous toujours partager avec vous. Bye bye tout le monde, nous chapé.